Charlène de Monaco donne des nouvelles de ses enfants, Gabriella et Jacques. L'occasion pour la princesse d'évoquer la relation très spéciale de ses jumeaux, aujourd'hui âgés de 8 ans. Avant d'être une épouse et une princesse, Charlène de Monaco est une mère de famille. Il y a tout juste 8 ans, la compagne du prince Albert II a donné naissance aux deux futurs souverains que sont Jacques et Gabriella. En effet, du haut de leur jeune âge, les jumeaux auront forcément un jour les mêmes responsabilités que leurs parents. Et il semblerait que le couple princier commence déjà à former ses petits en parfait représentant de la plus célèbre famille monégasque. Une maman attendrie au cours d'un rare entretien accordé à nos confrères de Nice Matin, Charlène de Monaco a fait savoir que sa fille et son fils ont déjà conscience de l'importance de leur titre. Ce ne sont encore que des enfants, mais ils commencent à comprendre leur rôle, a d'abord indiqué l'ancienne nageuse sud-africaine. Puis, elle s'est épanchée sur la relation exceptionnelle du binôme. Ce sont deux enfants qui ont leur propre langage et qui se comprennent. Ils s'aiment et se protègent l'un et l'autre et font part d'une immense bienveillance entre eux. S'il y a un lien assez unique, je dois dire, et je constate cette particularité que partagent des jumeaux, a-t-elle souligné. Prince et princesse mettent un point d'honneur à l'épanouissement de leurs descendants, qui ont d'ailleurs la même passion que leur maman. Ce grand moment raté cet été, Jacques et Gabriella l'ont été passés près des bassins. Le duo a été initié à la plongée. Malheureusement, ni Charlène de Monaco ni le prince Albert II n'ont pu assister à ces exploits. Et pour cause, ils ont effectué un petit stage avec l'Académie monégasque de la mer, école bleue, dirigée par l'apnéiste Pierre Frolla. Et figurez-vous que je n'ai pas eu le droit d'y assister, car le règlement interdit la présence des parents. Je n'ai que quelques photos pour preuve, a révélé le souverain dans les colonnes de Point de Vue, il y a peu. Si cette initiation leur a plu, nul doute que d'autres occasions se présenteront. À lire aussi, cela prendra encore du temps, Charlène de Monaco se confie et donne des nouvelles de sa santé.